la ville de Fotokol fait peau neuve après les ravages de Boko Haram. La localité, située dans le département du Logonéchari à l'extrême nord, vit au rythme de la reconstruction, après la page sombre de son histoire. Les chantiers sont bien visibles grâce au concours des Nations Unies et à la Banque mondiale qui ont inscrit ladite localité dans le projet de relance et de développement de la région du lac Tchad, Prolac. Le projet vise principalement des infrastructures qui ont été détruites par les bandes armées de la secte islamique Boko Haram. Dans l'ordre des priorités, il y a le bureau des douanes, l'hôtel de police, les bâtiments de la gendarmerie et le marché de la ville. Tous ces éléments pour donner un nouveau visage à une ville carrément mise à sac par les terroristes, qui partent du Tchad et du Nigeria pour détruire les ouvrages en territoire camerounais. Lire l'intégralité de l'article sur magazine Page Jaune du Cameroun en cliquant sur le lien en dessous.